On retourne au téléporteur. Salut tout le monde, c'est Charlie. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 28e partie du Let's Play de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Voilà. Alors, là, si vous reconnaissez, vous reconnaissez peut-être pas, mais vous voyez la cage là. On était là dedans, là où je vous avais dit où il y avait un sculpteur là. Et on le voyait pas, besoin d'être plus en hauteur. Hein. Attendez, est-ce que c'est là? Non, je suis plus sûr. Non, est-ce que j'avais dit la 29e partie? Je sais plus. Oui, on s'entend pour la 29e partie du Let's Play. Et puis voilà. Donc, on va finir le temple de Londres. Et donc, l'objectif est de parvenir à avoir son 5e médaillon. Bon, ouais, c'est un peu sombre, je sais. J'ai fermé les volets. Hein. Et voilà. Parce que, en fait, j'espère que vous me regardez sous un bon soleil. Mais moi, c'est pas de mon soleil, j'ai du sale temps. Et oui, c'est la fin de l'été, nous sommes le 21 septembre et l'été est terminé. Voilà. Voilà. Et ce sculpture là en fait, c'est soit le champ de l'épouvantail, soit le super grappin. Moi j'ai fait un super grappin parce que le champ de l'épouvantail ça ne marche pas. En fait j'avais compris que ça marche, il faut revenir voir Pierre en fait, enfin l'épouvantail. Alors avec le symbole de la Triforce, moi pour le redémarrer, quand j'ai refait Ocarina of Time là, je me disais mince, pourquoi il ne démarre pas, c'est quoi le problème? Bah fallait jouer en fait la berceuse de Zelda. Il est là. Dans la partie 5, Impa nous avait dit que cette berceuse avait d'étranges pouvoirs et c'était énorme. Et c'était vrai. Voilà, donc là, il démarre. Alors lui, c'est un peu comme le Titanic, quand ça va être fini le transport, il va couler. Et bah oui, comme le Titanic, bah le Titanic, il a coulé. Le Titanic a coulé à cause qu'il tournait contre un morceau de glace. Mais pour ceux qui ne savent pas vraiment, c'est pas vrai. J'aurais dû aller rechercher une feu au bosquet, ça fait. Bon, c'est pas grave. Je vais pas le faire parce que sinon, je vais être obligé de m'en retaper. J'ai pas envie de. J'ai combien de fées? Une fée. Une fée, ça devrait aller. Juste pas que j'utilise hein, sur la suite. Hein. Voilà. Et là vite parce que regardez ce qu'il va nous dire Navy. Déjà je vais m'enlever. Et regardez un peu. Ce bateau reste pas hein, comme je vous l'ai dit. Attention. Chers amis, tu n'as vu son. Vite, mets-toi à l'abri. Hein. Et voilà, il est tombé. Et il y a quoi? Un petit cœur. Ok, bon, on continue. Alors, il fallait là-bas. Aïe. Aïe, il est ténébreux, hein, celui-là. Alors là, on a des murs. On va aller commencer par cette porte. Ah bah on est direct chez la clé du boss. Parfait. Je pense un peu loin. Alors, j'ai vu le coffre. Vous l'avez pas vu. Oh, attendez, je vais rééquiper. Ça. Ah, et voilà. Voilà. Là, on va commencer par ce coffre. Et là, il y a quoi? Cradle.
rien d'intéressant. Alors, on se fait et voilà, on va faire la clé du boss. Avec la clé du boss, ils nous disent qu'on pouvait accéder au maître de Boulmire. Si vous voulez. Vous trouvez la clé d'or. Vous pouvez désormais accéder au repère du maître des lieux. D'ailleurs, il parle du boss là. Mais on va pas y aller encore parce que d'abord, il faut viser une salle où il faut d'abord une clé. Voilà. Pas un sale piège, non, c'est bon. Alors, là c'est un peu plus compliqué parce que les crânes tournent. Allez, le scutula. C'était le dernier ça? Oui, je crois que c'était le dernier, on va voir, mais je suis pas sûre. Oui, si c'était le dernier. Hop. Vous pouvez voir ici l'emblème du scutula. Alors. On a tout visité carrément, à part une salle. Et là, une salle où il y a une autre. Bon, ça c'est inutile, hein, c'est pour les rubis, mais je veux pas. Qu'est-ce qu'on le fait? Attendez, est-ce que la porte s'est fermée? Non. Ah bah oui, parce que c'est une porte avec une poignée. Parce que ça, ça ferme jamais les portes avec des poignées. On va prendre un chauffeur. Ça c'est beaucoup plus facile aussi. Bah, en fait, il faut faire avec une bombe, mais bon, si on est avec une bombe, voilà. Là, les chauffeurs. Alors je peux vous dire sur ma caméra, je peux faire 9h jusqu'à 9h, je peux pas faire. Allez. 9h c'est un peu beaucoup. Bah, je ne chierai pas là. On voit quand même ce qu'il y a des bons. Oh là là. J'étais presque là. Attention. Oh, vas-y. Oh. Oh. Vas-y, ah, stop. Stop pour être utile. Ça, on va se concentrer. Ouais. Voilà. Plus de rubis. Inutile. Mais je vais pas me les prendre. Pour la tourne. On va pas prendre ça. Go. Et la dernière salle à visiter. Alors, c'est une porte. On va passer là-bas. Attention, s'il y a une de ces mains qui vous chope à la gorge, elle regrandit un peu. Nickel, 10 minutes et on va pouvoir accéder au boss. Ah bah dis donc,
Maintenant qu'on se soit mis dans l'eau. Et bien peut-être non. Allez. Ouais, mais ça risque quand même de tout être tombé dans l'eau. Que dalle, d'accord. Allez, go. D'abord, ouais. L'ocarina. Ah, est-ce qu'on peut avoir l'ocarina? Voilà, on peut faire autre chose. C'est avec le stick que je fais ça. Ouais. Alors, est-ce que ça fait un coup? C'était un peu plus près. Mais je pense que c'est. Ouais. Nickel. Et ça, ça va juste te donner un seul cœur par contre. Hein. Là-bas, je peux pas aller parce que j'ai. Mais si je fais le champ des fonds, vous allez voir si ça défend. Je peux le faire. Ah non. Voilà, ça, c'est le champ des pouvantails, mais ça marche pas. Alors, ici, il n'y a pas de cocotte. Là. De la magie, ok. Bon, ça doit aller pour le boss. Allez. Oh là là. Oh la vache. Oh là là. C'est bon. Allez, go. C'est le boss. Et regardez là, on arrive dans une salle un petit peu étrange. Allez, c'est parti. Enfin, pas pour le moment. D'abord, il y a les petites cinématiques du boss. D'abord, on voit des mains. On peut se dire, c'est une main le boss. C'est ça. Bon, en fait, non. En fait, le boss, il a un œil. Et le voilà. Monstre de l'ombre. Bango, bango. On est prêt, c'est parti. Allez. Attention, celui-là, je vais m'appliquer. Il est pas si compliqué que ça. Mais un peu. Déjà mort. Comme une fusée. Vous avez vu ça? Non. Normalement, il doit être long. Mais j'ai réussi à le battre comme une fusée. Parfait. Excellent. Il aura pas vécu. Il aura pas. Le combat n'aura pas duré longtemps. Et puis, c'est moi le meilleur. Winner Selling. Winner Selling. Le loser, c'est Bango Bango. Pas mal. 14 cœurs sur les 20. Ouais, c'est pas mal. Allez. Sanctuaire des sages, cette fois, c'est Impa. Qui va nous donner notre 5e médaillon. Et notre avant-dernier médaillon. C'est l'avant-dernier médaillon celui-là. Hein. Sheka, je suis la nourrice de la princesse et le sage du temple de l'Ombre. Depuis des siècles, les Sheka furent les serviteurs secrets de la famille royale d'Hyrule. Toutefois, il y a 7 ans, Ganondorf lança son attaque et le château d'Hyrule dut se rendre après.
après une très courte bataille. Ganondorf était à la recherche de l'une des clés du Saint-Royaume, le trésor secret de la famille royale, le 40 ans. Mon devoir était de mettre la princesse Zelda à l'abri. Je me souviens t'avoir vu lors de notre suite. Tu es devenu un valeureux guerrier. La princesse est à l'abri maintenant. Très bientôt, Zelda viendra tout expliquer. Une fois les six sages réunis et le roi sont détruits, vous verrez tout ce que ça m'a fait. Bah ouais, en fait, c'est Link qui doit protéger Zelda maintenant. Mon devoir est de rester ici. Trouve la princesse Zelda et protège-la à ma place. Ouais. Je vais maintenant te transmettre mon pouvoir grâce à ce médaillon. Et voilà notre cinquième médaillon. Maintenant, c'est à Link de protéger Zelda. Super, elle va pouvoir. Il n'aura même plus besoin de penser à Ruto. Hein? Maintenant, il peut penser à Zelda. Et voilà. Vous recevez le médaillon de l'ombre. Impa se révèle être une des sages et vous confie son pouvoir. Si on peut dire Impa, mais bon. Prends bien soin de la princesse. Excellent! Un dernier quart de cœur. Attendez, je vais le mettre dans une bouteille. Attends, on peut le boire. Alors, qu'est-ce que ça va me faire? Ça m'a fait perdre un cœur. Donc c'était mauvais. Bon, c'est pas grave. On va rester dans la même voiture. Bon, c'est aléatoire. Soit ça fait rien, soit ça fait un cœur. Peut-être que là ça va te faire un cœur ou ça va te faire gagner des cœurs. Soit ça fait rien, soit ça fait des cœurs ou soit non. Alors on refait. Et est-ce que ça va me faire perdre des cœurs ou pas? Ah non, ça me le fait récupérer. D'accord. C'est juste un exemple. Hein. Je sais pas, on va voir. Oui, il nous donne un quart de cœur quand ça va pas encore. Voilà, bon, on va y aller. Profitons-en. Hein. On entre dans le village, et voilà, maintenant il n'y a plus de monstre. À la place de l'avoir enfermé, maintenant on l'a tué. Hein. En fait, c'est Impa qui l'a enfermé tout au fond du puits. C'est mon tour de beauté. Prends donc ceci. Ah voilà. Voilà, un cœur de cœur. Et regardez, on peut aller dans le moulin. Une cocotte. Et on peut aller voir aussi. Si y a un enfant qui a été sauvé. Attendez, je vais aller sur le toit de la maison des structures. Oh oui, je suis le roi, je suis sur la maison des structures. Hop
peux remonter ça. Voyons s'il n'y a pas un autre enfant qui a été sauvé. Non, là il n'a pas encore été sauvé. La malédiction est brisée. Merci infiniment, Roger, récupérez, bien mérité. Alors, qu'est-ce qu'il donne? Une bourse. Ouais, je voulais transporter le poids pour faire jusqu'à 500 000. Ouais, merci, toi, t'es trop gentil. C'est quoi ça? Oui, des métiers, t'es trop gentil, toi. Et toi, tu vas me donner la médiction, je sais ça. Après, il nous dit, tout le monde est guéri, c'est formidable. Je vais vous montrer. Ouais, la pierre de souffrance, voilà. Et en fait, ça nous permet de voir quel endroit ça... Sauve mes frères, je t'en prie. Ah, mais non, il nous dit pas tout de suite parce que je vais pas te sauver tous les frères. Regardez. En fait, quand on est tout près d'une grotte, ça, la manette vibre. Alors, tiens, on va aller au menu des mots. On va aller au bosquet sacré, aller chercher une autre fée. Après, on s'arrêtera là. On a fini la vidéo. Attends, on est qu'à 21 minutes, donc profitons-en. La musique de l'intro de début, fontaine royale des fées. C'est soit les grandes fées, soit les petites. Voilà, alors. On va remettre le monocle. Et vous avez vu, on fait un tour à l'inventaire. Ouais. Il nous manque deux autres flèches, un pouvoir. Et des bouteilles. Là il nous manque un bouclier, ouais, là il nous manque un médaillon, un champ, des sculptures, deux cœurs, encore deux cœurs, et on en a les quatre. Après il nous manque un item. Et après voilà. Hop. Et les deux points qui clignotent sont la vallée Gerudo et la forteresse Gerudo. Ok, allez rentrons au sort. Bye bye et à la prochaine. Salut.